Salut tout le monde, c'est Lily et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Tale of Vesperia. J'espère que vous allez bien, moi ça va comme d'habitude. Aujourd'hui on avance ici, mais je vais mettre ce dialogue avant. Yo yo, nanda yo hossan. Bon, depuis l'épisode dernier, j'étais reparti dans les bois de Koi pour save et arrêter ma session de tournage, mais finalement dès le lendemain je retourne. Je dois être mazo un peu. Il faut que je m'avance pour les vacances en fait, si je veux partir en congé. D'ailleurs, je me dis à ceux qui découvrent ma chaîne, par exemple cette vidéo, on s'en fout qu'elle raconte sa vie la meuf. Je fais comme les personnages de Telof en fait, on s'en bat les couilles aussi, mais ils le font quand même. Et d'ailleurs, si vous arrivez, si vous venez me connaître avec ce let's play, non. Franchement, changer de let's play, ça va pas vous donner envie de rester sur celui-là. Vous pouvez pas me découvrir sur celui-là. C'est une mauvaise idée. Et aujourd'hui, nous allons en guerre. Bon, ça a pas beaucoup changé, il y a des fleurs, c'est beau. Allons tuer Estelle. Ouais, donc dans tous les cas, j'étais obligé de la laisser l'épée en fait, non? Moi je joue bien. もう一人では行かねえって。見て、魔物が入り込んでる。なんで？結界は復活しているのに。警部もっくんときみたく凶暴になってるみたいよ。ユリ、どうしたの？ん？ああ、いや、なんでもねえよ。 J'étais en train de réfléchir à comment tuer Estelle. Je préfère ma version. Tu veux retourner à la maison? Ah, vas-y, je t'avais pas vu, toi. あ、あ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 あ、
Bonne idée. Soto ni hito ga inai kara tte naka mo soto wa kagiran desho. Kiki tsukerare tara mendou yo. Machi juu AR darake nano yo. Shiro no naka datte onaji desho. Ano Alexei ga nan no sonae mo shite nai to wa omoenai. Karol ga yatta no ja. Yatta! Minna, hayaku! Tayori ni naru ze. Ja, kii shimete. Oh, c'est déjà le troisième. On est à 5 minutes. On est à 5 minutes, c'est le troisième. Je crois qu'on a battu le record, c'est bon. Cette vidéo est grande vainqueur. C'est l'épisode combien? 59, bravo. Vous pouvez applaudir derrière l'écran de votre ordi ou de votre téléphone. Du téléphone, c'est chiant, du coup, si vous le tenez dans les mains. Allez. Il fallait que je fasse un pas en plus, pardon. J'espère qu'on va la tuer, Estelle, quand même, un peu de drama. エアルがないよ。エステルの力を使ってこんなことまでやってのけたんだわ。外の結界はエアルを閉じ込めるためだったのかもしれないわね。おっさんの心配が当たった可能性大だな。きっとお出迎えがあるぞ。 悪いよ、頑張りやったんのはなんでかね。悪い方向に考えるから悪いことばっか起きるのじゃ。そうしらじゃ。いいことだけ考え。いいこと言うわね。きっとそうだわ。もう一回イマジネルピーを思い出させます。ビアンシュコンタント。おっさん。ルカンベースの言うでしょ。コンテキだと思うんだけど。今んなこと言ってもしょうがないでしょ。気引き締めて住めばいいのよ。 ああ、悪いことに加担してるまがいもんの騎士なんて、俺たちの敵じゃねえだろ。じゃな。こんな形でお城に来ることになるなんて、なんか残念。On peut pas tout avoir dans la vie. Je crois que ne pas pouvoir bouger la caméra, c'est la chose la plus frustrante dans ce jeu. Je sais pas si je vais à la gauche ou à droite, mais je vais... Bah non. Bon bah du coup, je sais où aller, à droite, pas vraiment le choix. Bon moi, je suis pas déçue, je sais que j'ai rien raté à gauche. Et maintenant? Tu vas m'interrompre aussi si je vais là ou si je vais là-bas ou... Ah non. Matte, quelqu'un est là. La fine équipe est là. Nanda? Yuri, Yuri, ka? Oh, Hanks-ji-san. Et on va refaire Cosette. C'est pas le moment. Ji-san, minna, buchi datta no ka? Soria kochi no serifu ja. Nande shiro no naka ni nante in da yo? Honto. それにお前らまで は、それがそのフレンドロの命令で市民の避難を誘導していたのでありますか? その、ふと下町の住民の姿が見えないことに気がつきまして 命令にはなかったんでありますが、 つまりその… 出口は崩れるわ、おかしなもやは迫るわ、危ないとこじゃった なんとか騎士殿の助けでもやのないここに逃げ込めた命の恩人じゃよ。命令違反の罰は受けます。我々も奴隷の罰なのだ。罰も何も、俺ただのおっさんだからね。それに市民を守るのは騎士の本分しょ。よくやったな。光栄であります。市は
海軍隊長だろ。隊長言うな。俺様はただのレイブンよ。はあ、失礼しました。ただのレイブンだろ。尊敬されてるのね。本当、想像つかないわ。見かけによらないもんじゃの。よかったね、ユーリしぶとい奴らだっての忘れてた。心配するだけ無駄だったわ。なんだかユーリ、今までにないくらいにすごく嬉しそうなのじゃ。うん、そうだね。お前ら、元団長閣下を見なかったか？は、え、我々は見ておりません。ただ外で親衛隊の話し声で、何やら蜜剣のキザハシのことを。蜜剣のキザハシ？うちらが吹っ飛ばされたあの高い高いあれよ。まだそこにいるってことね。煙と極悪人は高いところに登りたがるんじゃな。問題は蜜剣の木差しって偉い人しか入れないのよね。仕掛けなら僕が外す。術式ならリダがいる。大丈夫だよ。Ça commence à être trop long là. C'est-à-dire que je n'ai pas lu, j'ai passé les dialogues, mais je pensais complètement à autre chose là en fait un instant. C'est peut-être dû à la caméra, j'ai peut-être mon cerveau qui a décroché, je suis peut-être partie loin. Ça se trouve un jour je vais bloquer sur les dialogues, je vais pas m'en rendre compte. Je vais pas le passer, je vais dire merde, j'étais ailleurs. On va faire ce petit dialogue là, une petite save. Yokatane Yuri, Shitamachi no hitotachi ga minna buji de. Ah.これであとはアレクセイの野郎をぶっ飛ばしてエステルを助けるだけだ。おっさんの部下が初めて仕事らしい仕事をしたわね。だからもう俺様の部下じゃないっての。あいつらおっさんを見る時の目が輝いてるのじゃ。あんなに尊敬されているのに出てくるなんてひどい人ね。なんか今度はおっさんが釈然としない気持ちになったんだけど。ちっちゃいメナコンアンテリア。Ouais. Allez, on s'en va. Tu vas pas parler une fois que je repasse la porte? Non, c'est bon. Je sais plus où c'est. Je voulais voir si c'était un nouveau coffre, mais en fait, non. Ça ira. Putain, mais il y a des safes partout ici. Bon, moi, je sais où je suis. En fait, c'est pas des ennemis.Je sais plus où c'est. Puis il me laisse aller partout. On fait comment là? Parce que du coup, si j'appuie, ben. Très joli en tout cas. Bon, ben c'est pas là que je dois aller.C'est ça que je cherchais. Ok, d'accord. Mais ils sont où alors? Mais ça sert à rien, tu vas mourir en un coup. Même pas deux, un seul. Il a voulu résister, waouh!Ou alors ils sont un peu plus costauds, donc je suis sur le bon chemin. Bon, ça reste que 410 XP quoi, c'est pas... C'est pas ouf. J'ai aucune idée de là où je dois aller par contre, hein, je vous préviens, enfin, ça change pas d'habitude. J'ai au feeling comme d'hab.
Pour un petit combat comme ça, 700 points d'XP, ma foi. Je voudrais juste trouver le bon chemin. Il y a une save là-bas, ça doit être quelque part là-bas dans le coin. C'était quoi là? La chambre de Flynn. Il y a peut-être quelque chose à faire ici, je sais pas. Non, que dalle. Super. C'est pas intéressant de savoir ça. Bon, du coup, là, dégage, on y vient. Mais non. Je veux pas retourner ici, je tourne en rond. Là, c'est de là que je viens, encore une fois. Je veux aller où? Je suis content qu'on a fait tout le tour. Allez, laisse-moi continuer. Je voudrais surtout pas que tu m'empêches de tourner en rond, je comprends. Parce que c'est ce que je suis en train de faire et je kiffe, tu vois, tourner en rond, c'est... Putain, je sais pas... Là, c'est le réfectoire, hein, ouais. Dégage! Ça agrandit pas du tout les choses, ce bordel. Ouais, non, c'est pas ici que je dois aller, non. Ah, ça rappelle des souvenirs. C'était le début du jeu, je râlais pas encore. C'était tout beau, tout nouveau. Dégage. La belle époque. En plus, y a rien. Je voulais juste voir. Ouais, le début du jeu, quand je trouvais pas l'histoire extraordinaire, mais je me suis dit c'est le début, attends. Je la trouve toujours pas extraordinaire, on a l'épisode 59. Après, c'est juste question de goût. Hein. Je préfère Berseria parce que ça parlait de vengeance et tout, et que c'est plus mon macam quoi. Mais ça sert à rien quoi. Non mais les portes, on peut pas y aller en plus. La meuf qui retourne deux fois quand même, elle a pas compris. Mais non, mais je comprends pas, je dois aller où là? Y a rien ici. C'est des fausses portes. Bah ouais. Et là, je me mets à la place de ceux qui connaissent le jeu par cœur, qui sont là. Mais pas par là, mais pas par là, mais elle est conne, putain. Mais... Comme je fais moi quand je regarde le let's play de quelqu'un. D'ailleurs, en ce moment, je voulais regarder à nouveau, essayer de me remettre dans un let's play de Zelda Twilight Princess. Le problème, c'est que j'en ai rien à foutre des quêtes secondaires. Et pourquoi tous les maudits let's play que je veux voir sur ce jeu? Les youtubeurs ont décidé de faire les quêtes secondaires en vidéo
Et c'est pas précisé, du coup tu tapes toute la vidéo pensant qu'il fera peut-être de l'histoire, mais non, il y a que de l'annexe et c'est de la merde. Ah non, là-bas c'était la prison, donc ça sert à rien. Oh mais c'est chiant, franchement, j'aimerais bien un let's play sans... C'est pour ça, je peux pas... Certains aiment bien voir les quêtes annexes en vidéo, après je sais. Hein. Mais je me dis, je dois pas être la seule à en avoir rien à foutre. Je peux aller là-bas maintenant peut-être. Ouais, voilà. Tu vas pas me dire un non. Ah, je peux saisir. Ouais, mais je pense... Non, je pense pas que je dois aller là-dedans. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que j'irai foutre là-dedans? Je sais pas où aller. Enfin bref, tout ça pour dire que les let's play avec les quêtes annexes inclus dedans... Ou encore tu fais un épisode secondaire en mode eh hey, c'est une quête annexe. Ah, fallait peut-être que je fasse un truc comme ça. Non. La meuf qui s'énerve. J'ai pas d'anneau pour commander ça moi. C'était sûrement pour ouvrir ce truc là, non? Je suis invisible, je ne suis pas là. Je n'existe pas. Y'a quoi ici? Je vais dans des endroits, je sais même pas ce que je fais. Je suis invisible, je ne suis pas là, je n'existe pas. Il m'a pas vu. Je suis un ninja, puis genre t'entends pas le bruit de mes pas quoi, putain je suis la meuf la moins discrète, enfin la meuf. Mais non mais c'est encore la chambre d'Estélis là, je suis revenue ici. C'est une blague. J'en ai marre, je dois aller où, je dois faire quoi, pourquoi la vie? Oh genre. Même moi qui suis plus grosse que Yuri, je passe entre les deux. Oh, s'il faut, je ferai une coupure, mais merde, à un moment j'ai fouillé tout le château là. J'ai fouillé tout le château, tu veux que je fasse quoi? Là, c'est la coupure entre les deux, ouais. Hop là, je ne suis pas là, je suis invisible. On va descendre. Bah non, c'est impossible que ce soit ça. Imaginez le délire. Je vois pas pourquoi ce serait là en fait. Casse-toi. Bah je veux voir ce qu'il y a de l'autre côté, mais il va me saouler lui. Putain, c'est juste un coffre. Oh, toi t'es dans mon chemin dans tous les cas. Ah ouais, je vois pas pourquoi je devrais venir ici, si on n'est pas dans une autre salle du château. Je pense pas. Je sais plus ce qu'on est venu faire ici la première fois, ça... Je sais pas si ça m'intéressait déjà pas, mais... Oh, et... oh Yuri, mais saisis-le, putain. Je suis vulgaire et on n'est pas... Quoi? J'arrive même pas à le viser. La statue elle bloque le passage, mais... Alors s'il y a des trucs à la con, genre bouger des statues et tout, je le ferai hors vidéo en fait. Ouais, parce qu'à mon avis c'est clairement une connerie de ce genre, vu que je suis coincé, dégage sale rat de merde. Puisque visiblement je ne peux rien faire ici. Tu ne me vois pas, je suis invisible. Donc je vais faire une coupure ici. Et je vous accueille là où il faut aller. Je vous expliquerai en gros ce qu'il fallait faire. A mon avis, certains d'entre vous connaissent déjà ce qu'il faut faire. Il n'y a que moi qui... Voilà.
Et je vous dis donc à tout de suite. Je sais pas très pro ce que je vais faire, mais je vais garder un petit truc à côté de moi. Les notes, au cas où j'ai besoin. Alors en fait, ici c'est l'allée du réfectoire, fallait aller au sud et à gauche ici. Je croyais que j'étais déjà allée, mais non. Ce qui nous amène là. Et ensuite, on va au nord. Et il y a une putain de save avec des putain de gardes. Je suis mal poli. D'ailleurs, au réfectoire, on pouvait acheter des trucs. Hein. Des armes, des tenues, tout. Ce que j'ai fait. J'en ai profité. Alors, il y a des coffres. Il y a des coffres. Déconne pas avec ça. ようやく来ましたね クリティア族? いいえ あなたは確か 帝国騎士団特別諮問官 クローム 要するに アレクセイの秘書殿よ アレクセイの ってことは 敵? いいえ違います 少なくとも今は 引っかかる言い方だな。悪いがこっちは急いでんだ。戦うか、出なきゃ後にしてくんねえかな。たがためにあなたたちは戦うのですか？え？あの哀れな娘のためですか？哀れだとか、あんたに言われる筋。回りくどいね。何が言いたいのよ？ あの人があなたたちに何を見たのか分かりませんが、あなたたちがあの人を止めてくれるのを願っています。 意味不明。わけわかんないんだけど。 アレクセイを止めてほしいってこと？ さあな。まあ、考えても仕方ねえ。 そうね。 もうこの先にエステルたちはいるのだから。 のじゃ! 止めるなんて生ぬるい! ぶっ倒すのじゃ! あとはぶっつけってとこかね? そういうこった! 行くぜ! Vous avez bien discuté pour rien! Puis s'il faut tuer Estelle, on va tuer Estelle! Quelque chose d'intéressant à faire au moins, je t'avais pas vu! Moi, je voulais juste aller prendre les coffres, c'est tout. De ce que je vois dans la police, ça si, il faut activer des statues blanches dans un autre précis. Je vais gagner le passage secret derrière le trône. Oh, je sens que ça va être chiant. Je sens que ça va être très chiant. Tu ne me vois pas, je suis invisible. J'ai dit je suis invisible, connard. Allez, examine. C'est l'indice, ça, pour bouger le secret du trône. Ça va être relou dans tous les cas. Parce que du coup, faut que je sorte de la salle d'ici. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Du coup. Revenez au niveau de sauvegarde et prenez la porte de droite. C'est ici. Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur. Non, c'est pas une porte ça, ça devait être là-bas du coup. Trop balèze ou pas, je suis... Non, dégage. Moi, ça me laisse le temps. Je suis pas sûr de comprendre.
Est-ce que la porte de droite et une porte noire après avec une statue, on verra. Ce que j'ai compris, en tout cas, c'est à droite, à gauche, à chaque fois on revient au niveau de la save, droite, gauche et non, c'est des fausses portes ça. Puis genre, le gars il me voit pas, ça me fait rire à chaque fois. C'est surtout le fait qu'il me voit pas, ça va. Mais enfin, il m'entend pas non plus. Pourtant, j'en fais du bruit quoi. Ah bah là ça marche. C'est parce que c'était pas dans le bon ordre tout à l'heure quoi. Quand j'en ai croisé en route. Donc on revient à la save. Ensuite c'est à gauche de ce que j'ai cru voir. Hop hop hop, je ne fais que passer. Bonjour. Nye. Nye. Je suis trop balèze, tu peux pas test. Dégage. Merde. Là c'est pareil, à la statue comme ça, ok. Ensuite. La suite est incompréhensible. Ensuite, faut aller en prison. J'y suis allé tout à l'heure, j'étais tout tombé. En fait, après, quand j'ai trouvé les statues, j'avais trouvé tout à l'heure. Dans l'épisode d'avant, je sais plus comment je dis. C'est le premier que je tourne, je sais plus. Je peux encore pousser 5-10 minutes, c'est pas un souci. L'épisode peut être un peu plus long, c'est pas très grave. Presque 1000 points d'XP, c'est incroyable. Trop fier de moi. Je suis occupé de la statue. Ouais, c'est pas du tout rassurant en fait d'avoir de l'équipement pour tout le monde, mais ouais. Oh, des sous. Sérieux. Enfin bref, faut activer toutes les statues puis retourner à la salle du spawn. C'est incroyable ce gameplay. C'est parce que je le ferais bien hors vidéo. Ah bah non en fait. Je comprends pas. C'était pas celle-là en deuxième. Enfin, vous avez compris le principe je pense. Donc si j'arrête la vidéo, vous allez vraiment vouloir. Non, parce que je pense qu'on s'arrêtera là pour cet épisode. Et ce que je ferai, c'est que je ferai les 4 statues hors vidéo. Et pour le prochain épisode, on se retrouvera directement en face du trône, du moins à la save. Parce que moi, je pense que c'est le seul épisode de Telop que je vais tourner aujourd'hui. Je vais passer à venir, c'est ce qui me manque pour les vacances. Bah, à chaque fois on frôle les 1000, hein. Franchement c'est pas drôle. Et pourquoi tu veux pas toi? Bah ouais, c'est la troisième, c'est pas le deuxième. C'est n'importe quoi. On va se quitter là-bas en fait, parce que moins dangereux. Enfin en tout cas, vous avez bien compris le principe de trouver ces 4 statues pour activer tout ça. J'espère que cet épisode vous aura plu malgré tout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Ciao tout le monde, des bisous.